Bonjour à tous, bienvenue dans ce 55e épisode d'Open Versailles 4 avec la France. Alors, j'ai fait le tour de quelques petites choses, et entre autres on a un gros problème, on n'est plus du tout légitime. Absolutisme maximal, ok, bon. Donc faut que ça remonte. De toute façon, notre empereur a... Ah oui, il a 19 ans. Et on n'a pas d'héritier. Ah oui, il vient de mourir, notre roi, oui, c'est vrai. Vient de perdre notre roi il n'y a pas longtemps. Ça me dit vaguement quelque chose. Donc on avait... ça c'est qui? La Lorraine. On est en train de faire des revendications sur la Lorraine. On a un colon. Alors j'ai vu une chose intéressante, c'est que ici, il manque quelques régions pour pouvoir octroyer à l'Espagne. Tout est octroyé à l'Espagne, vous. Oui, bah écoute. Alors 1-1-3, 1-1-3. 2, 1, 4, 2, 3, 6, 2, 3, 1, 6, alors 1000, 1000. On va envoyer un colon ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous faut... En fait, faut qu'on chope un marchand de plus, et pour ça, il nous faut 10 provinces ici. Et pour le moment, on n'a que 6. Alors, je baisse mon casque un tout petit peu, vous, ça ne change rien pour vous. Voilà. Parce que le son était juste en train de m'éclater les oreilles. Donc, aujourd'hui, on prévoit une petite guerre contre... Alors, forcément, l'Espagne va pas être contente de ce qu'on vient de faire. Mais avant de prévoir la guerre, il faut que nos effectifs se remontent. On a un mariage royal au moins ou même pas? Oui, on a un mariage royal. Avec les Portugais. Donc c'est bon. La Lorraine, non. Tu vas faire la guerre avec personne parce que si quelqu'un t'envahit, moi je suis dans la merde après. Alors, le truc qui est temps que si on part en guerre contre Bade, on se retrouve tout seul. Puisque tout le monde est en guerre ailleurs. Donc là on a 10, enfin 20, 80 000 hommes. Espérons que ça suffira. Alors le truc étant que tout le monde est en guerre aussi. Contre Milan-Utrecht, toi t'es aussi en guerre. Donc ce qui est bien c'est que déjà tout le monde est en guerre. Donc ils ont peut-être alors autre chose à foutre que de venir me taper dessus. Dans le doute, on va garder une armée en retrait. Genre à Orléans. Pour prévenir d'une... Parce que j'ai dans l'idée que le Brabant, là, il va descendre. Encore qu'il est ici, le Brabant. Il est ici, il va se faire ouvrir en deux. Quoique... Enfin, il se fait ouvrir, mais il ouvre aussi un peu, quand même. Donc, voilà. Nos troupes sont prêtes. Donc, j'avais dit qu'on partait en guerre contre Bade. Ah, donc, on va se retrouver en guerre contre l'Autriche. Memmingen, Nassau et Brabant. Ah non, Brabant ne va même pas venir. Ah, c'est cool ça. Donc le Brabant ne vient pas. Donc c'est tout bénef pour moi. Vous êtes juste en mouvement. Oui, parce que je vais pas faire des sièges pour vous, les gars. On va être honnête. Alors ici, est-ce qu'on a un commandant qui sait faire des sièges? Alphonse des Couseaux, il sait pas faire de sièges. En fait, j'en ai aucun qui sait faire de siège, ok. Voilà, hop. Mettre un commandant aussi ici. Même s'ils savent pas faire de siège, aucun. Et on se lance à l'assaut. Du coup, toi, tant qu'à faire, tu vas revenir par là.
Perte de 10 de prestige. Ah d'accord, on perd du prestige. C'est pas comme si on avait beaucoup. Gain de tradition militaire, gain de tradition navale. Puissance administrative. Alors, on va faire une petite chose aussi. Fou, on est à plus 30 par tour. Si, on va faire un petit impôt de guerre. Pour vite remonter. Ah bah ça c'est une forteresse qui n'y tient pas. Ah bah ça va vite tomber tout ça. Alors ici, on a Nassau. Et Nassau qui se promène. J'avoue, j'aimerais bien réussir à récupérer un truc sur l'Autriche. Et ici. Ce serait le tip top. Genre englober la Lorraine, par exemple, ce serait pas mal. L'Autriche, je lui demande pas grand-chose, juste de me filer ça. Et là, ça va tomber vite, ces deux forteresses-là. Par contre, c'est ici, là, ça va être chaud. Hein. On a peut-être choisi le bon moment pour passer en attaque. Parce qu'ils sont en guerre contre tout le monde, donc ils ont autre chose à foutre que s'occuper de moi pour le moment. Ça va tomber vite. 64, ça tombe à 64%, ça tombe pas. Vous êtes sérieux? Ça tombe là, maintenant. 78. Alors, Nassau. Apaiser les dirigeants. Perte de 20 de prestige. Non, mais on va arrêter. On va arrêter de perdre du prestige et de la légitimité. Soulèvement. Les séparatistes crient. Donc, c'est là-bas. En même temps, il y a quelque chose, franchement. Les cris sont si inquiétants que ça. Il risque de se rebeller où? Château, Cous... Oh, 14 000 quand même. Hein. Où ça? Où? Donc par là, quoi. Voilà. On va continuer de suivre cette guerre. Bon, ça serait bien que ça tombe quand même, parce que là, faut pas déconner. Alors, hop. La passe sous le contrôle des clercs accroît leur influence. Clercs gagnent de la hauté. Nos... Perte de loyauté pour tout le monde. Perte d'influence pour tout le monde. Alors, les clercs ou les nobles, qu'est-ce qui est le plus intéressant qui... Alors les clercs me donnent le meilleur vin et les nobles de réserve. Vaut mieux faire plaisir aux clercs. Alors, emporter le siège de Berne et le siège d'Alsace. Voilà. On va marcher direct là-haut. Hop. En guerre contre moi ça hein. Oui d'accord. Ouh, Milon est en train de se faire agresser violemment. Alors 14 000. Je pense que quand même... On va voir si on peut pas recruter un petit peu de mercenaires dans le coin. Voilà. 4 mercenaires.
Juste histoire de. Voilà. Alors, on retourne en Europe. Des sièges qui tombent. Ouh bah. On va diviser ça en deux, la deuxième partie. Ici. Voilà, logiquement là. Hop. Fusionner. On va les ouvrir relativement facilement. Qui c'est qui est venu prendre ça là? La Lorraine. La Lorraine, et comment ils vont me faire chier en fait? Mettre la Nouvelle-France, tiens. Non, ici c'est tombé. On occupe Zurich, oui, bah ça on s'en doutait un peu. D'accord. Ok. Alors, ça c'est les armées de Bade. Voilà. D'accord. Alors toi, je suis sûr que tu veux déjà quitter la guerre. Non, non, je veux pas ta province. Je veux les réparations de guerre, puissance commerciale. Ton fric. Allez, hop. Eux, ils vont où? Décider de dessiéger ça. Bah, c'est une bonne idée. Alors, voilà, on les massacre. Alors qu'est-ce qu'il y aurait d'autre normalement aller donc tout ça c'est pris, il faudrait prendre ça et aller chercher ça. D'accord.
On va laisser se reconstituer. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là? Ouf. Petite pause. Non, on va attendre d'avoir occupé de ça. On va voir une chose toute bête, mais l'Autriche. Demandons la paix. Tu ne veux pas. Pourquoi? Adjuran va faire la tronche si je prends ça. Bon bah on va aller s'occuper un peu de l'ami autrichien. Écoutez, hein. S'il y a que ça. Ah, là, déjà subissent déjà de l'attrition ici. Allez, allez. C'est bon, respiration, liberté de... L'autre là s'est calmé, 49%. Très bien. Donc tout ça, c'est devenu la Nouvelle-France. Nouvelle-France. Ouhou! Détacher les mercenaires. Et les mercenaires, bah, on va s'en débarrasser. Merci, au revoir. Est-ce qu'on peut mettre un coup de canon là-dedans là? Non, même pas. Donc on va envoyer ça. On peut appeler des alliés à l'aide. On peut appeler qui? La Hongrie. Pour le moment, il n'y a pas trop besoin. Nassau, de toute façon, il est en train de se faire ouvrir. Ça se trouve, il aurait même peut-être bien la paix. Non, mais... Ça risque de venir. Oh, ces petits ventes de petits cons là, ils sont en train de... venir essayer de me foutre la merde ici. Alors, maintenant on peut mettre un coup de canon. Voilà. Ah, ils m'ont pris mon tout, cette bande de petits cons. Ça, c'est pas sympa. Ah, ici, il faut que ça tombe. Ah, l'Autriche a fini sa guerre, en fait. On a fini ces autres guerres, entre eux contre Milan. Voilà. Voilà. Essayer de quoi faire le siège ici. Allez, ça va finir par tomber là-haut. Ah, l'Autriche, je veux peut-être la paix maintenant. Qui sait? Non, c'est pas prêt d'arriver. Si je te prends pas ton fric. Non, ça change pas grand-chose en fait le fric. Ah si seulement ça pouvait tomber maintenant. Ce serait tellement bien.
Ah, il y a des rebelles ici. On va leur expliquer que c'était pas une bonne idée de venir là. Voilà. Alors. Oh, ils ont le frioul et tout ça. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, l'Autriche, je vais pas faire la paix maintenant. Non, toujours pas. On va déjà décider ça. Il faut aller prendre leur capitale en fait. Je pense que ça les calmerait un petit moment. Allez, ces deux trucs là, ça tombe vite. Alors, Nicolas, j'ai un 32 culture sarde. Non, non, mais on finira bien par en avoir un d'héritier, il n'y a pas de raison. Bah, c'est bon, il y a 21 ans. Alors. Là, ici. Hop, ici. Bah attends, ouais, on va ici, hein, ça ira plus vite. Ça va t'occuper un petit peu. Là, on explique aux gens que on fait pas comme on veut en France. En France, on fait comme on vous dit de faire, surtout. Allez, faut que ça tombe tout ça. Faut que ça tombe, faut que ça tombe. Alors, on a nos conseillers qui est mort. Alors, prestige annuel, réduction des annuels de l'inflation. Ouais, il n'y en a qu'un qui est... Ah, les gens vont dire et toi? Oh, c'est gentil. Ils sont venus faire le siège pour moi ici. Oh, c'est mignon. Ah, franchement, c'est mignon. J'apprécie le geste, les gars. Ah, oui, ils sont presque prêts à accepter. Je crois qu'il serait presque prêt à accepter aussi de me filer du pognon. Un petit peu moins, mais ça viendra. Si je prends ces deux trucs là, de toute façon, je les vois pas me dire non quand même. Alors surtout si on pille ici, il n'y a plus de bulletin ici. Ah, ici il y en a. Ici aussi, en fait. Tu vas venir ici.
Donc toi tu vas venir là. Ici on va finir de piller tranquillement. Moins 14. Je suis sûr que toi tu veux la paix. Non, même pas. C'est pas grave, tu y viendras. Alors est-ce qu'on a un autre conseiller? Productivité. Hop. Et on t'améliore. Toi aussi on va t'améliorer. Quoique rassure-moi, t'es encore jeune. 44 ans, oui. Non, t'es plus trop jeune en fait. C'est pas grave, tant pis. Mais bon, ça pille bien ici, ici aussi. Ici, il n'y a plus rien à piller. Non plus. Ah si, ici, il y a pillé. Il y a pillé combien? 7,10. 7,10. C'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Voilà. À mon avis, à Zurich, là, il n'y a plus rien à piller. Là non plus, là non plus. Ici, si, mais on va éviter de piller ce qu'on veut récupérer. On va éviter de faire n'importe quoi. Alors, on verra quand ça se rebellera, où est-ce que ça se rebelle. Pour le moment, c'est pas mon problème. Allez, ce serait bien que ça finisse par tomber, ça. Sauf si l'Autriche veut faire la paix. Non. Mais elle va y venir, hein. Elle va y venir à faire la paix. 119 sur 132. Ouh. Purée, ça s'est tombé. C'est bon, t'as fini de piller en plus. Ouais, je suis sûr qu'elle veut faire la paix maintenant, l'Autriche. Et voilà. On va avoir fait un épisode d'une demi-heure. Donc on va s'arrêter là sur cette paix avec l'Autriche. Et on s'occupera de Bad juste après. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, salut tout le monde.